Bonjour à tous, c'est Mikado. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo pour la chaîne Utopia Gaming. Donc une vidéo Minecraft sur un certain mode qui, comme ce mouton renversé l'indique, ça sera du War of Sheep. Donc pour ceux qui connaissent pas le War of Sheep, c'est très simple, c'est une guerre de moutons comme son nom l'indique, où il y aura deux camps et chaque camp aura des moutons à envoyer sur l'autre camp, les deux camps étant situés sur des îles volantes. Et donc chaque mouton a un peu un pouvoir spécial. Vous verrez tout ça pendant le jeu. Donc une fois encore, je suis seul pour cette vidéo, malheureusement, car Siploa a quelques problèmes de PC, donc il ne peut pas se joindre à moi, et Carlipo n'étant pas un joueur Minecraft. Je me retrouve une fois de plus seul. On va attendre qu'il y ait quelques personnes qui rentrent dans un serveur, on les suivra. Donc voilà. On espère en tout cas que nos vidéos vous plairont. D'accord, on peut aller sur aucun serveur. J'espère que ça va pas faire car j'ai fait une ou deux parties juste avant et il y a eu quelques lags, j'espère que ça va pas se reproduire, ce serait bien dommage. Et sinon, à propos de la suite pour notre chaîne, je participerai je pense cette fois-ci, j'essaierai de refaire une vidéo cette fois-ci avec Siplo et Carlipo. Il faudrait bien qu'un jour on se mette à bosser un peu tous les trois sur des vidéos. Ou alors avec d'autres personnes aussi, on fera des collaborations un peu, si je puis dire. Non, ça veut toujours pas. Bien, bien. Vous pouvez aussi aller voir la chaîne de Siploa. Vous avez juste à mettre Siploa et vous arriverez dessus. Ah, voilà. C'est parti. Voilà, on va se mettre chez les bleus. Hop, c'est très bien. Donc voilà, on rentre dans un serveur, la partie va bientôt commencer. Voilà, ici vous pouvez apercevoir les deux bases. Donc là vous avez le camp bleu et là le camp rouge, comme le montrent les drapeaux. Donc elles sont inaccessibles normalement. Donc au début on va devoir s'attaquer un peu à l'arc et à l'aide des moutons. Et à partir de 5 minutes de jeu, il me semble, on va pouvoir accéder à l'île adverse grâce à des moutons d'abordage. Enfin, vous verrez sûrement. Si je ne meurs pas avant, bien sûr. Voilà. Donc je commence avec en main un mouton ténébreux. Dès que je vais l'envoyer, ce mouton-là, pour les adversaires, il fera noir. C'est un très bon mode pour vous entraîner à l'arc, moi qui n'est pas bien bon. Je vais pouvoir m'exercer. Ah, encore quelques lags malheureusement. Ces quelques lags arrivent souvent au début de partie, sachant qu'il y a beaucoup de joueurs. Faut un petit peu patienter qu'il y ait quelques joueurs qui qui meurent. Donc là, il y a un de mes alliés qui a envoyé un mouton intergalactique. Ça envoie des météorites sur le camp adverse. C'est assez surcheat. Lui, il est pour moi.
Ah, ça fait tout noir. Ah là là, encore quelques lags malheureusement. Zut. Je suis désolé d'avoir de vous faire subir ces quelques lags de connexion. Déjà que on est sur un mode de jeu où il y a beaucoup de freeze. En plus de ça, ma connexion n'est pas géniale, donc ça arrange pas les choses. On va devoir creuser un peu à la main malheureusement pour remonter. Ouah, j'ai bien failli tomber. On me demande bien comment je vais remonter moi. Aïe. Très bien, donc je suis pratiquement totalement bloqué, je vais devoir y aller à la main. Ah, là un mouton distorsion qui agit sur la vue du joueur. Voilà, ça c'est fait. On va recreuser, c'est parti. On va essayer d'y aller par là. Ah. Là, on arrive sous ma base. Waouh. J'ai bien failli mourir. Bon, je tente de remonter tant bien que mal. Ah là là, et à chaque fois que j'arrive à remonter, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui me bloque, bien sûr. D'accord, je suis à la merci des adversaires. Ah, ils m'ont touché avec leurs flèches en feu, là. Voilà, je suis remonté. On est encore 4 dans l'équipe contre 6 joueurs adverses, il me semble, si j'ai bien vu. Et voilà, pendant tout ce temps, vous avez vu, j'ai un peu accumulé les moutons, je vais pouvoir leur envoyer. Donc les moutons distorsion. Ça va un peu envoyer les blocs un peu partout. Hop. Là, le mouton intergalactique qui fait plaisir. Ça devrait normalement en tuer peut-être un ou deux. Ah ouais, en effet, ils vont bientôt aborder. Donc vous voyez, 5 minutes sont passées et là, ils ont les moutons d'abordage. Donc ce qui leur permet d'aller dans notre base dès qu'ils les envoient. Je sais pas si j'en ai tué. Non, j'ai eu personne malheureusement. Ah, il y avait un rouge. Il a abordé tout seul. On va essayer de l'avoir. Je vais peut-être essayer à l'arc. Voilà, je l'ai eu. Hop, ça fait un kill. Ah, il y en a un autre ici, on l'a vu. Ah, punaise, ils ont envoyé un mouton distorsion à ce moment-là. Faudrait que le mouton distorsion s'en aille. Voilà, parfait. Ah, j'ai pas réussi à le toucher en premier. Aïe! Il faut qu'il me vienne en aide, mon ami. Je sais pas où est l'adversaire, par contre, là. Il est mort? Il me semble, ouais. Il me semble qu'il est mort. Ma vie en a pris un sale coup. Ah, un mouton
Ah, je vais me retrouver un peu tout seul là contre tout le monde. On a encore deux bleus contre quatre rouges. Oula, ça va être un peu chaud cette partie. Je vais faire comme je peux. Il y en a un, il est juste là. Hop, on change l'arme. Voilà, je l'ai eu. Ça c'est fait. Il me reste plus beaucoup de vie. Je vais essayer de fuir. Voir si je peux envoyer un mouton chercheur sur un rouge. S'il y a des rouges encore. Ouais, ça va, il en reste. Ah, mais dis pas que je vais retomber. Non, c'est bon. Alors, je sais pas trop où sont les ennemis là par contre. J'avoue que je panique un peu. Ils ont renvoyé un mouton distorsion, allez. Me semble qu'il y a un rouge juste là, non? Non, ça c'est mon imagination. Les moutons chercheurs sont assez puissants parce qu'on peut, si on les envoie, ça peut directement, ça va suivre un rouge et normalement ça devrait le tuer s'il ne le voit pas. Mais je ne trouve pas les rouges, c'est bien ça le problème. Pourtant, il en reste encore deux. On est revenu à du 2 contre 2. Pas mal, pas mal. J'ai fait deux petits kills. J'avoue que je sais pas trop où sont les ennemis là. On va envoyer le mouton chercheur. Ah, là il y a un mouton rouge qui est apparu. Ah, là il a explosé. Pas étonnant. Ça, c'est un petit bonus si on arrive à l'atteindre. Bah, quelqu'un l'a eu. Crois bien qu'ils nous attendent dans leur base, il me semble. Ah! On a gagné. Deux kills pour moi, deux kills pour mon allié, voilà. Ce fut assez plaisant malgré les quelques petits lags. Là, là, là. Je sais pas si on en refait une. Oh. Autant vous présenter un autre mode. Tac. Bah. Oh, puis non, allez, on va en refaire un, écoutez. Quitte à jouer. Donc voilà, victoire pour la première partie. Toujours autant de lags, c'est bien dommage. Voilà, là il y a un petit jump. Histoire de faire patienter. C'est pas mon fort les jumps. Même si des fois j'ai des périodes où je me débrouille. Pas comme là par exemple. Voilà, la partie faut commencer. Sur cette map là, il faut surtout pas sauter ni tomber dans le vide au moment où la partie commence, sinon on risque notre forte chance pour mourir dès qu'on arrive sur la map. C'est assez étrange en effet, mais bon. Ah, j'en ai eu un. Ah, ça c'est un coup à retomber comme la dernière fois.
Mais cette fois-ci, j'aimerais bien vous montrer un petit peu de jeu plutôt que de faire que creuser pour remonter. Ils m'ont eu avec leurs flèches de feu qui font assez mal. Je sais pas si je leur envoie direct mon mouton à l'essai. Par contre. Ah, j'aurais dû envoyer le mouton ténébreux avant. C'est aussi un petit peu de technique, vous voyez, si j'avais envoyé le mouton ténébreux avant, ils auraient rien vu et j'aurais pu envoyer mon autre mouton sans qu'il le tue. Oui, parce qu'il est possible de tuer les moutons avant qu'ils n'explosent ou qu'ils activent leur pouvoir. Ce qui peut des fois vous sauver la vie. Il est bien bien haut. N'arrive toujours pas à l'avoir, on va laisser tomber. Hop, on envoie le petit mouton distorsion. Cette fois-ci, on a aussi une. Waouh! On a également une sorte de base centrale d'où on peut tirer, où on peut. Allez se protéger des tirs ennemis. Voilà. Si vous êtes le dernier survivant, ça peut vous sauver la vie de venir ici. Ça, par contre, c'est pas bon. Il a envoyé un mouton chercheur, je l'ai vu. Essayer de pas tomber. Waouh. D'accord, combien? D'accord, on fait du 3 contre 4 cette fois-ci. Ok. Je sais pas s'il l'a vu arriver, mon mouton là. Aïe. Ah d'accord, il a abordé. Il faut. Ouais, je pense pas que je vais pouvoir m'en sortir cette fois-ci. Ah, il a bien joué. Donc voilà. Bon, et eh bien écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez lâcher un pouce bleu maintenant, car ils ne sont plus verts. Mettre un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis, à la prochaine tout le monde, bye bye!